Salut, quelle est ta résolution? Bah les résolutions, tu sais, c'est pas avant Noël, c'est au premier de l'an. J'adore l'humour de la Salty Academy, on se fait les vannes trop hoches. All right, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Attends, on a une praque contre les Atlas, les mecs. Je crois qu'ils turtle en fait, hein. Attends, je drone l'escape. Ah, je suis déjà parti. C'est clear. Jusqu'au serveur, c'est clear. Il y a le maître sur site, Mira. Mais genre, je me tape tous les barreaux, quoi. Ouais. Voilà, voilà, bah c'est ça le problème, c'est que tu peux rien foutre. S'ils prennent en bas, on a gagné en bas, ils vont prendre en bas. Parce qu'ils pensent vraiment que ça va passer. Là, il y a le leader qui est là. Oh, mais ok, les gars, c'est pas normal. Ok, ils sont dans le main. Archive. On l'a fait 50 fois sous strat là. C'est oh clair. Les mecs sont en train de tout donner et tout. Les gars, c'est pas normal. Ça fait 50 fois qu'on l'a fait et tout. On l'a regardé sur le strat boot de 6-4 et tout. Je vous l'avais dit, les gars. Prends la banane. Prends la banane, ok. Qui c'est qui a bagouvert la banane? Eh ben, c'est parce que t'as mis le capitaine. Bah non, mais fallait pas. Tu vas trop loin dans ta blague, c'est bon, on a compris, hein. Oh. Ouais, il fatigue à la fin. Il y a des Valkyries carrés, il y a des Valkyries carrés. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait la Ying là? Bah, c'est l'autre forcément. Ah, bah, je fais exactement comme toi, gros fils de. Hein, quand t'as la Ying, t'as bug tout le monde, tu t'en bats les couilles. Ok, ça marche, je le mets au traitement dans mon Pokédex. Le mec, à chaque fois qu'il prend Ying, il aveugle tout le monde, il s'en bat les couilles. Et pour la première fois que quelqu'un lui fait, il est là. Oh, c'est Ying qui m'aveugle. Ouais, sauf que moi, quand je suis aveugle, c'est qu'il y a une raison et je vais faire un kill derrière. Hein, alors que toi, tu es aveugle. J'aime pas Ying qui m'aveugle. Hein, le connard, mec, boubou la Ying. Bouffon, bah. Les invités sont bien accueillis en tout cas. Raphaël qui prend des notes par rapport à oui, la. Oui, il prend des fois. Notes, il dit. Bon alors, Mary dit trop de gros mots, il est vulgaire, il est pas spécialement drôle, donc mon image au sein d'Ubisoft est en jeu. Que dois-je faire pour limiter la chose? Parce que mes patrons vont me dire non, on les aime bien, mais ils sont inappropriés pour notre image. Regardez le petit one-tap de la hache qui va vouloir courir sur le parking. Ah, c'est pas un one tap, et puis c'était pas une hache. Mais bon, ça passe, ça passe. Et je fais zéro kill encore. Oh là, oh là, oh là. Ah ouais, regardez ça, regardez, c'est mon kill, c'est mon kill. Je vous l'avais dit. Putain, t'es un monstre. Par contre, j'ai 12 HP, on a un doctissimo. T'es où? Attends, je te fais un trou au plafond. Tu t'en souviens? Bah voilà ce que ça fait. C'était sur Sam Park, c'était il y a 6 mois, et tu vas bien te faire enculer. Alors qu'on était en train de tout donner, ce connard m'a TK en utilisant le mauvais pistolet du doc. Et bah tu vois ce que ça fait, hein? L'ascenseur émotionnel de dire « Oh trop bien, je vais me faire heal » et te prendre un énorme one tap, ça me fait tellement plaisir. On crève en fluant. T'as besoin de son, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'as besoin de son pour jouer? Tu me dis, hein, si t'as besoin de son, t'as besoin des cams, si tu veux, je vais sur les cams et je vais tout te dire sur les cams, ça va être très intéressant. Oh là 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 là, les cams, c'est très bien. Attention, il y en a un derrière toi, 6-4, jumping. Attention, il a attaqué, c'est Ying. 6-4, au top, derrière toi, à gauche, en droite, à droite, au milieu. Attention, tu vas tirer. Oh là 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 là, le clutch de 6-4 qui va tenter la métamorphose, qui va tenter. Attends, je te mets double son, regarde. Double dose de Mary. T'entends bien là, en gros enculé, hein? Attention, tu fais la petite décale, attention, tu l'entends bien à gauche, mec, sans déconner, à gauche, en plus, c'est vraiment à gauche, vas-y, tire à gauche, oh là là, la pression, tu l'as entendu, t'as situé le son là ou pas? Vas-y, descends, voilà, saute comme ça, c'est bien, ouais, mets-toi une seringue, on sait jamais, hein, ça peut servir une seringue pour soigner. Hein, non, tu veux pas, attention, t'as entendu à gauche, non, c'est l'autre côté, la gauche, oh là là, t'es vraiment une banane, monte les escaliers plus vite. Oh, les barbelés, t'es marté dans les barbelés, pourquoi tu revois les barbelés, et détruis les barbelés, dis donc, ouais. Oh, bah, mais oui. Je crois que j'ai eu un bref aperçu de ce que pouvait être l'enfer. Oh putain, t'imagines ce que je dois subir ce soir avec ce mec. Comment tu fais? Est-ce qu'on peut me dire si la qualité du stream est mieux ou pas? Bah, oui, ça dépend. T'as toujours laissé ta webcam? Non, bah voilà. Ah, il te connaît. T'es spotted, mec.
Décidément, j'enchaîne les blagues. Oh, ouais, putain. Ah ouais, putain, la vache, ça décoiffe. T'as un parent décoiffé, ça va, toi? Je vais prendre ma ligne. Harry, je vais t'apprendre un truc. Viens. Ça va te servir pour ta prochaine CL. J'arrive. Ça, tu le prends. Ça, tu le prends et ça te met une protection, déjà. Ok? Ah ouais? Ensuite, ouais, ouais. Ensuite, tu te mets là. Tu tires sur les petits trucs que j'ai mis là. Et tu tires. Et dès que tu vois quelqu'un, tu fais bam 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 comme ça. Et là, tu le tues. Ok? Ouais, ah, vas-y. Ok, bah vas-y, je te regarde. Vas-y, je te montre. Vas-y, je te montre. Je te montre. Regarde. Tiens, regarde, c'est pour toi, Iris. Iris, t'es prêt? C'est pour toi. Iris, c'est pour toi. Je regarde. Iris, t'es prêt? Je regarde. Ok. 3, 2, 1. On est jeune piano. Voilà, Iris. C'était pour toi, ça. Là, j'ai vu. C'était pour toi, ça, mec. Bon, j'ai tapé ma cigarette électronique. C'est vrai, c'est même pas une excuse. J'ai vraiment tapé ma cigarette électronique avec la soupe. Vous me croyez pas. Le gros mytho, il vient d'arriver, c'est le gros mytho. On peut le sortir à peu près à tous les niveaux. Attends, je vais commenter. Oh, le C4, magnifique, de la part de Iris qui va pouvoir décaler. Oh, l'énorme pressure de la part d'Iris qui a failli connecter. Et ça ne passe pas au niveau de cette trappe. Mais 6-4, que se passe-t-il à ce moment-là? Que faut-il faire? Va-t-il paniquer ou va-t-il rester mais dans une... Mais essaie de vraiment caster, toi, qu'on essaye un peu. Ouais, bah c'est ce que je fais, regarde. Vas-y, j'en prie. Va-t-il c'est chacun son tour, une... déjà, alors ferme ta gueule. Ouais, ok, d'accord. Vas-y, commence. Bon, on voit que là, il prend une petite ligne serrée. Il sait que l'adversaire est en haut. Il se demande s'il est... Ah, il a pas vu le... Il a... J'arrive pas à caster. Tu sais pas caster du tout, c'est chaud, mec. Mais bon. Non, mais tu vas le décalage, il l'entend. Et il va pouvoir prendre la ligne, à mon avis, puisqu'il a entendu qu'il était en bas de l'escalier. Et le pré-shoot. On va se retourner. Mais ferme ta gueule quand je suis en train de le faire, putain. Ok, j'ai compris le truc. Allez, à moi. J'ai compris. Regarde. On voit que Iris se prend la petite ligne derrière. Il est greedy, il a envie, il sait qu'ils sont en 3v1, il prend le risque. Ça, il a vu qu'ils sont en 3v1, mais mec, le but du jeu, c'est pas juste d'enchaîner des mots en français, il faut que ça ait un sens. Ah, il est con, lui, il enchaîne des phrases, tu sais. On sait que la triplette de Belleville, c'est un très bon film, juste à gauche, à côté du fil barbelé. Ça veut rien dire ce qu'il dit, le mec. Regarde, je te montre. Et Kirito, on s'en rappelle, il joue depuis 1990 chez les Mais n'importe Toto, quoi, tu dis de la merde, mon détruit. E-sport. Non, j'invente absolument rien. Regarde le décalage magnifique de la part de Kirito. 69 derrière, en rapport avec la position du Kamasutra. C'est le 1v2 et il va falloir le décaler. Il prend le kill. Magnifique. Non, c'était très beau. En plus, il a un petit truc rose et ça me rappelle un truc qui vibre. Mon dieu. Il faut toujours, quand t'es caster, faut toujours balancer des anecdotes. Les gens adorent. Bon, enfin, les anecdotes, souvent, elles ont rapport avec Rainbow Six, tu vois, pas avec ton samedi soir, quoi. Ah, d'accord. Alors, on peut voir le joueur, notre ami Capitao, qui a gagné une Pro League R6 Is Life à l'année 1, mais comme dit notre ami Bolo, ça ne compte pas. Alors, on peut voir que là, il a pris l'information qu'il y a un adversaire. Il tente le pré-shoot à travers la porte. Il tente le pré-shot. Ah, il a entendu le la sortie de la caméra. Oh, bien joué, belle... ça, avec la clé mort. La prévision du joueur français. Oui, il a une bonne anticipation, il a vu que l'adversaire est en face, il va l'engager. Ah là là, le duel est serré, mais son ami est venu l'aider. Je calme. But son pote, oui, non, il faut toujours faire ça. Ça arrive à tout le monde, la pression, la LAN. C'est pas facile. Mais là, il est au courant, il a l'information, la sortie. Mais il est pas bien, il est perturbé. Je pense que là, il est perturbé maintenant et que son jeu va être de voir attendre une ligne à 1 minute 9 alors qu'il a entendu l'adversaire sur sa gauche. Va-t-il faire la décale? Non, il ne fait pas. Fermez vos gueules, vous me faites péter un câble, sérieusement. Il n'a pas le son, ce garçon. Est-ce que, et c'est là qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée de prendre 6-4 dans cette équipe? Bah écoute, il a fait ses preuves, il fut un temps. Il a fait ses preuves, il fut un temps, mais là, n'est-il pas un défaut maintenant? Il faudrait peut-être raccrocher, je sais pas. Non, je ne pense pas, je pense qu'à cet âge-là, 34 ans, c'est un âge merveilleux où les hommes sont plus beaux, au plus beau de leur forme. Donc contrairement à 26 ans où ils sont encore ingrats entre l'adolescence et la maturité. Non, je dirais plutôt que 34 ans n'est pas la cause du problème de 6-4, mais plutôt sa capillarité. Sa capillarité a en effet une influence néfaste sur son gameplay. C'est... Ok.
Les gars, en plus, en face, ils sont en train de tout donner, tu sais. Je suis désolé, ma façon de caster est très très bonne. Grave, okay. On dirait un narrateur de Il était une fois bandit. Le mec, on dirait un. Mais oui! C'est ça, un narrateur. J'ai une voix de narrateur. Oh, mais c'est normal. Le vrai. Bah oui, mais t'as pas une voix de narrateur. Toi, quand tu t'as une voix nazillarde. Hein, déjà, une voix... on a dit pas de problème de Seconde Guerre mondiale, tout ça, c'est passé. Nazillard, ça veut dire parler avec le nez. Non, tu me traites de nazi, mec. C'est pas très cool. Et ensuite, second point, et ça c'est le plus important. Toi, quand tu parles, c'est pour rien dire. Est-ce que tu t'es écouté parler? Est-ce que t'as déjà vu des rediffs de tes castes? Ouais. Ok. Je et t'as kiffe. Pas envie de te tirer une balle après? Parce que franchement, le mec déjà il parle comme ça. Ouais, alors on parle en français. Hein, Hop. Après, il fait une petite phrase comme ça. Comme ça toute la soirée. C'est casse-couille, mec. Mec, mais t'es vraiment le pire caster. T'as en plus, t'as pas une belle voix. Moi, j'ai l'avantage de peut-être pas savoir caster, mais j'ai une belle voix. Mais t'as une voix de canard, mec. T'as une voix de canard. Mais c'est ça qui plaît avec mon petit timbre. Tu sais quoi, je vais te faire. T'as pas un petit timbre suave, mec. T'es timbré déjà, ça n'a rien à voir. Narrateur. Je vais te faire un casse sur narrateur. Narrateur. Bah ouais, le bandit qui va décaler. Bah ça va, moi je parle pas comme une femme hein. Le mec il est comme ça je crois. Ouais bon bah oh la petite décale du glace. Oh là là. Ça a failli connecter, qu'est-ce que t'en penses Skok? Ah bah oui tout à fait. Je peux pas me concentrer avec ce mec.